qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas dit du royaume des cieux. Au fait, Joël Crasso. Monsieur, viens ici. Comment ça s'appelle? Tiens-moi. Tiens-moi, ça va? Oui, oui. Ici, ceci. Tu as combien d'élèves? 250. Ils sont où? Dans quel village? Tofla. Ils sont à Tofla? Mmh. Tu leur enseignes quoi? Je leur enseigne le café sorcellerie. Le café sorcellerie? Oui, oui. Comment? Quand tu leur enseignes quoi? Façon dit A, B, Mo, A, Ba. C'est ça. Mo, A. Mo, Mo. Mo, A, Ki. Mo, A, faut pas de. C'est tu. Au plus tu pars, c'est tu. Au plus tu pars, c'est tu. Au plus bas, c'est tu. Tout bas, c'est tu. Hein? Tu es qui fait peur chez nous là. Vous voyez ça facile comme ça. Monsieur. Monsieur. Hey, c'est prophète. Prophète. C'est toi qui es professeur, moi je suis prophète. Prophète. C'est à toi, dit monsieur. Moi je suis prophète. Prophète. Madame, tu lui donnes à manger. Viens ici. Image, asseyez-vous s'il vous plaît, ma maman. Image. Vrai, vrai mari. Aussi. Hé, hey, monsieur, je n'ai pas demandé. Vrai, vrai mari. Vrai, vrai mari, moi je ne sais pas qu'il est comme ça. Tu ne sais pas qu'il est comme ça. On ne finit pas de connaître l'homme. Tu maries avec monsieur. Oh, il est sorcier. Monsieur, prophète, pourquoi tu n'as pas dit à madame que tu es sorcier? Quand tu l'as marié, fallait lui déclarer tout tes biens. Parce que tout ton métier, il y a la sorcellerie dedans. C'est tout tes biens. Madame, je suis sorcier aussi, hein. Je te marie. Moi, tu n'as pas dit, madame, je te marie. Mais moi-même, je suis sorcier. Je mange les gens à l'école. Je quand il y a 25 enfants. Pourquoi tu lui as pas dit ça? Je te demande, je suis venu faire. Moi, je suis venu travailler. C'est ça, monsieur le prophète. C'est ça quoi? Dans ce sujet-là. Bon, monsieur. Le gars là, qu'est-ce qu'il a? Monsieur. Monsieur, vous faites. Madame là, pourquoi tu n'as pas dit je te marie, mais moi-même, je suis sorcier. Hein? Quand je marie là, vraiment, c'est quand je parle de sorcier. Tu es malade ou. Regarde-moi ici. C'est à moi que tu veux jouer, pote. Non. Tu n'es pas sorcier comme. Voilà, lui dit. Bon, je ne suis pas que tu n'étais pas sorcier, là. C'est à moi que tu veux jouer à mon esprit. Non, je suis sorcier. Je suis sorcier. J'allais le prendre tout de suite. Je suis sorcier. Moi, Dieu m'a donné votre don. Oui. Maintenant, quand tu es devenu sorcier, tu lui as dit que tu es devenu sorcier? Non. Tu es malade. Je n'ai pas dit. Tu lui dis, quand tu l'as marié, tu n'es pas sorcier. Maintenant, quand tu es devenu sorcier, c'est tout le cas que tu lui dis que tu es devenu sorcier. Moi, je lui ai dit. Monsieur, tu as eu combien d'enfants qui sont morts? J'ai 8 enfants. Monsieur, viens. Monsieur, viens. Tu es 30 comment? Non, je suis 30 ans, pardon. Et viens ici. Tu veux parler? Non, c'est bien, mais c'est à moi que tu me demandes les jeux. Alors, tu veux parler? Tu as envie de parler? Où est ton ami qui t'a envoyé là? Il est où? Il est parti? Il est là. C'est mon fils. Mais lui, il allait faire quoi? Il est parti au village. Il allait faire quoi au village? Bon, lui, il allait faire son fils. C'est pour le meilleur. Et pour le quoi? Mais voici un ami qui est attrapé ici. Pourquoi tu ne veux pas prendre lui? Pour le consoler. Ils ont vu qu'il y a sorcellé dedans. Oui. Monsieur. Monsieur. Comment on appelle? Ah, je n'ai pas l'appel. Quand son vrai nom, c'est le village là. Tiens, ouais. Oui. Regarde-moi ici. Madame, tiens, ouais, regarde-moi. Tu savais pas qu'il était sorcier? Tu savais pas?
Il dort avec toi. Dans le même lit. Maintenant, vous regardez. Toi, tu vas manger. Bien. Tu reviens. Tu vois madame. Ça te fait quoi? Ça me fait mal. Quel mal? Mal comment? Faut regarder. Mal comment? Mal comment? Ça me fait mal que je suis sorcier. Et puis, où est le mal? Tu es sorcier, c'est un mal. Où est le mal dedans? Maintenant que toi tu as su. Oui. Madame, tu as su qu'il est sorcier? Demande-lui. S'il est sorcier ou pas. Maintenant. Non, maintenant, demande devant le prophète. Demande. Normal en français. Est-ce qu'il comprend français? Non, hé, tu comprends français? Demande s'il est sorcier. Non, pas bring un micro. Micro. C'est un sorcier. Je suis sorcier. Ah, tu es sorcier. Sorcier. C'est français, garçon. Je suis sorcier. Ah, t'es sorcier. Non, lui répond, il dit qu'on t'a aux questions. Il répond. T'es sorcier. Monsieur, t'es sorcier. Je suis sorcier. Hein? Je suis sorcier. Ah, c'est sorcier. Ouais. Je pense que t'es sorcier. Donc, on choisit sorcier. Madame, voici monsieur, tu as préparé foutu, tu as mis escargot dedans, graines, il a mangé. Il boit Bangui, grand frère de toi. Le voici. Tu as vu qu'un monsieur, demande-lui encore devant moi, s'il est sorcier. Madame, demande. C'est moi qui suis sorcier. Pas le français, on n'a pas je suis sorcier. Dans le bureau. Je suis sorcier. Non, choisis les deux. Mais c'est qui la rend, c'est sorcier. Je suis sorcier. Tu es sorcier? Oui. Pourquoi tu n'as pas dit à madame? Ah, ça là, c'est un secret, on ne peut pas dire à ma femme. Ah, donc il y a un secret dans le mariage? Ouais. Madame? Il y a un mariage qui a un secret. Non, monsieur. Vous vivez une femme et puis vous avez un secret. Mais quand je vais dire la vérité, il va partir. Ah, ben, il faut lui dire la vérité. Là, si elle t'aime, elle va rester. Mais si je n'ai pas la vérité, elle est partie. Si elle est partie, à qui je vais marier encore. Il y a beaucoup de femmes. Non, bah, elle me plaît trop. Je l'aime trop, mon amour. Le mec, c'est un grand dragueur. Il veut reconquérir le cœur de sa femme. Elle a le cœur. C'est ma femme, moi. Oh. C'est pour cela qu'il devait donner des trous, aller des trous. Comme c'est ta femme, oh, comme on ne cache pas tout à femme, oh, on est tout à femme. Oh. Comme ça, si elle apprend, elle n'est pas choquée. J'ai pris, oh, j'ai pris ça. Tu as pris ça, tu as déjà trop mangé. Donc, mangez beaucoup. Tu as tué combien de gens? J'ai tué 68. 68 personnes? 68 personnes. Tu as mangé ouais. Sauce graine, du blé. Ouais, sauce graine. Sauce graine. Ouais. Et tu as bien mangé. J'ai bien mangé. Tu manges quelle partie de l'homme quand tu tues? Je tue
Je mange la main, tête, cœur. Y a pas cuisse dedans. Y a cuisse dedans. Cuisse ou même cuisse. Maintenant tu donnes pas ta femme aussi. Non, je lui donne pas. Elle est protégée. Par qui? Par moi. Tu es protégé quelqu'un. La nuque. C'est Dieu ce qui te protège. T'as dit comme quelqu'un. C'est la grâce de Dieu qui fait que. Il est vrai quelqu'un. Oui, ça va? Oui, ça va, je sais pas. Vous êtes comme un enfant, ça? Un enfant. Il a quel âge? L'enfant, tu as à quel âge? Ah, voici nos problèmes. Elle a neuf. Non, monsieur, j'écoute ta question, elle a pour elle sa question. Ah, j'ai trouvé le couteau. L'enfant, quel âge? 9 quoi? 9 ans. 9 ans, hein? Donc, toi, tu as attaché combien de personnes? J'ai attaché 5 personnes. 5 personnes. Pour faire quoi? Je vais manger. Tu as mangé? Il n'y a pas poulet, cabri. Béry, tu veux manger? Oui. Il n'y a pas de cabri au marché? À la fin des mails, là. C'est moi qui suis allé au marché. Je suis allé faire achat de poulet. C'est moi chez moi. Je suis allé demander maman pour voir. C'est 2200. Petit poulet, un poulet bizarre. Ça fait un mois, je crois, en tout cas. 2200. Ce n'est pas cher. À côté de ça, tu as gaspillé, gâté toute une vie. Tu as gagné une fête de famille. Et tu manges seul. Et tu viens me dire non, c'est mon amour. Mon amour, on partage tout avec. Tu as attaché comme un 5. Oui. Et tu vas les manger. Oui, je vais les manger. Pourquoi? Rien. Je vais attacher, je vais les manger. Parce que tu es afin. J'ai faim, ouais, j'ai faim. Tu as faim. Ici, là, tu dois faire carême. Un mois, tu ne manges pas. Comme ça, tu digères, tu as digéré. Tous les cuisses, tu as mangé. En haut, là-bas, ça va vite finir dans ton sang. Quand tu peux regarder un homme, un être humain, créé à l'image de Dieu, quelqu'un que Dieu a fabriqué, comme toi, tu le manges. Et tu dors. Et tu l'attaches. Il pleure. Et tu ne lui donnes même pas de l'eau à boire. Tu le transformes en cabri. Mais pas de l'eau, pas d'être méchant. On fait comment? On fait comment? Tu tues quoi? Moi, j'ai dit de tuer. Non, je suis venu pour moi. Je vais quitter des temps, quoi. Tu as quitté comment des temps? En sorcellerie, là. C'est pas bon, je vais quitter des temps. Oh, là-bas, c'est doux. C'est pas bon. C'est doux. Sauce crème. Je vais quitter des temps. Doublé, flala. C'est doux là-bas. Pourquoi tu trahis Satan? Tu aimes travailler Satan? Qui est sorcier comme lui? Dans la salle ici, qui est sorcier comme Tiaouin? Ah, c'est Tiaouin. Tiaouin. Qui est sorcier comme lui? Tu es sorcier? Je vous appelle tous les sorciers devant. Non, on ne parle pas quelqu'un ici. Ici, vous devez comprendre que quand quelqu'un est la sorcellerie, tu es là.
C'est toi qui as gâté toute ta famille. Hein? Tu as gâté toute ta famille. Tu viens être délivré. Vous voyez les filles, non? Maman, tu es belle, hein? Bien, Bix. Ça va? Quel est ton numéro? Tu dis, j'aime mon... Ça commence par 01. L'autre commence par 07. C'est orange. Faut l'appeler. Un rendez-vous. Vous battez dans la chambre. Elle va boire ton cerveau comme des gays. Ma tête Alzheimer. Tu loupes les contrats seulement. Tu vas vouloir l'embrasser, non? Et une femme, je vais l'embrasser. Langue dans langue, bouche dans bouche. Elle boit ton cerveau comme des gays. T'es sorcière. Je te parle, parle fort. T'es sorcière. Hein? Oui, je suis prophète. Faut pas laisser avec ton nom, c'est à la maison, peut-être, ton. Tu es venu qui? Ma grande soeur. Oui, comment vous êtes retrouvés ici? Je sais pas le bien d'un ami. Non, comment vous avez su que les sorcières? Ah, c'est depuis 2009. 2009? Et 2011. Ah. 2011. Ça fait maintenant 6 ans. Plus de ça, hein? Non, tu sais, nous, quand on calcule, hein, quand vous dites une date, on calcule l'année. Parce que si c'est une brigade, hein, comme chose-là, quand tu sors les. C'était petite, mais on ne croyait pas en fait. Ah, pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore démontré. Et qui vous avait dit la première fois qu'elle était sorcière pendant qu'elle est petite? C'est elle-même. Vous étiez petite? En 2005, vous avez dit que vous étiez sorcière? Toi, tu es délivré, hein? C'est maintenant que je commence mon travail. Sinon, je vais stopper et prendre les gens après tout ça dans le bureau. Oh, ce que tu fais là, c'est comme ça fait plus honte que ce que tu vas dire. Nous, on parle ici et on délivre. C'est la première étape la plus importante. Tu étais en 2005, tu étais petite et tu as révélé que tu étais sorcière. En quoi disant, tu as dit quoi? C'est le pasteur. Ah non, c'est sorti par le pasteur. Tu as dit que... Que je suis sorcière. Que tu es sorcière. Et qu'est-ce que toi tu as dit? Au début, j'ai nié. Ok, comme bon sorcier. Au début, j'ai nié. Ma tante, elle venait m'avoir posé la même question. Elle insistait pour lui. Oui. Elle m'a demandé qu'il m'initie. Et j'ai dit, c'est ma grande mère. D'accord. Autant que j'ai mangé. Je peux dire quelque chose? Tu peux dire quelque chose? Bon, ici, c'est l'endroit le plus sûr que tu vas délivrer. Je me donne la tête. C'est-à-dire ici, tu dis sorcier là, ça ne dit rien aux gens. Non, mais on a pitié de toi. Ici là, quand tu dis aux gens, tu dis sorcier, on ne peut pas te frapper, on a pitié. Or, dans notre coin, quand tu dis sorcier, on fuit. C'est sorcier, ah, tu es devant moi. Non, ici, on a plus pitié de toi. On veut te voir délivré. Parce que tu as con. J'ai demandé qui t'a donné, tu as dit ma grand-mère. Ok. Nous, c'est tout ce qu'on veut savoir. Parce qu'on n'achète pas la sorcellerie. On initie. Donc, quand une personne est initiée à la sorcellerie, quand la révélation, un pasteur dit qu'une personne, telle personne, pardon, excuse-moi, une telle personne est sorcière, il faut apporter la solution. Sinon, si tu ne délivres pas, tu crées des conflits dans la famille. Parce que si elle n'est pas délivrée, elle va se réfléchir sur le prophète français comme ça. Depuis 2005, le problème demeure. C'est ce qui a fait que les parents l'ont amené ici. Or, il ne suffit pas de demander de dire que quelqu'un est sorcier, il faut le délivrer. Ou bien il faut la délivrer, la personne, il faut la délivrer. Tu comprends? Donc il t'a donné sur la sorcellerie, tu as fait quoi? Bon, nous étions de manger, pas m'a donné à l'un de propre. J'ai mangé maintenant de la nuit, est-ce qu'on dormait? À quel âge? À 20 ans. Maintenant, lorsqu'on dormait. Elle est belle, non? Ah, va marcher comme ça dans la rue. Madame, mademoiselle, ça va? Vos yeux brillent, non, comme les gars de la CIE. Vous voyez toutes les filles? Viens. Ah,
Donne-moi ton numéro. C'est rapide. Le numéro passe vite. Parce qu'elle va te montrer quelque chose. Il y a une fille à Grand Lao. Elle ne sait pas du nom dans un village. Quand tu dis, demoiselle, ça va? Elle sourit à toi. Elle le sourit, elle dit, je suis déjà prête. Tout ce que tu veux là, faut dire. Je suis prête. Donc quand tu dis, ça va, je t'aime beaucoup. Elle dit, oui, je suis d'accord. Tu m'aimes? Je suis d'accord. Ça va? Oui. Tu m'aimes? Elle dit, bon, d'accord. Chez toi, c'est où? Là-bas. Allons dormir. Non, là, ça n'existe pas chez elle. Chez elle, ils ont banni le nom. Elle va dormir. Et toi? Tu n'as pas des garçons, tu as 8 femmes. Pendant que tu es sur elle, tu te sodomises toi-même. C'est dans ton anus que tu fais. Donc quand tu vas aux toilettes, ton anus sort. Tu fais 9h du temps, 10h aux toilettes. Comme ton femme enceinte. Elle a enlevé tous les anus des gens. On appelle ça coco chez nous. Coco. Ils ont tous coco. Ah, tu n'as pas dit, je vais faire femme. Viens, fais. Je vais te montrer qui a mis sur ton berger. Tu as essayé quelque chose. Quand il a dit, qui t'a donné coco? Tout le monde est venu. Chacun a mis sa levée. Ça va? Ce qui fait qu'à cause de la sorcellerie, maintenant on a peur. Et le discernement. Sinon, elles ont l'attirance. Ils ont la capacité de vous attirer. Elle est belle. Tu ne dis pas non, hein? Non. Ça va. Tu... Tous les mots durs. Elle te dit, il faut laisser ça. Laisse. Laisse. Tu me veux, non? J'habite où? J'habite à Conakry. Allons-y. Tu es venu me dire, non, tu es charmant, tu es belle. Tu es comme tu ressens ma mixte. Il faut laisser ça. Alors, chez moi. Où est-ce que tu loges? Ce qu'elle va te montrer. On a la nuit lorsqu'on dormait. À la nuit, ils sont venus, ils étaient bien pour moi. Quand t'as initié? Oui. Hey, ça va? Comment t'appelles? Anne-Marie. Quoi, Anne-Marie? Tu es française? Oui. Anne-Marie, quoi? Nyokan-Marie. Tu es vidé où? C'est ici. Eh, hey, viens ici. Bien. Vous êtes venu avec elle? Pourquoi? Ça fait 2 mois. Quand elle rêve, elle me dit, papa, j'ai rêvé. Dans la nuit, on me donne à manger. Mais cela, j'ai dit que ça là. Ça avait dégénéré. Non, je connais le pasteur Kasso. Moi, le prophète. Le prophète pasteur. C'est différent pasteur. J'ai été là-bas une fois. Donc, je vais aller. Pour ne pas faire ça dégénérer. Pourquoi on témoigne la sauce de Dieu? Pourquoi on attrape rapidement, que ça cesse. Ah, pourquoi on enlève pas dans la table? Voilà. Non, on enlève. Voilà. Pourquoi on commence rapidement? Sinon, il y a l'esprit des chats. Ils étaient bien en noir. Quand je suis arrivée, chacun m'a dit, mais les filles, ils me chouillent. Ça, sont venus ensemble. Elle s'est écrite sa figure sorcière. Non. Elle m'a dans la rue. Bon marché, achète à checker. Maman, c'est la fille de Dieu. Elle ne parle pas. Ah, faut aller. Ciel, oui. Tu as tué combien? 200. 200 personnes. Comment tu as fait? Comment tu fais? Aïe, il y a quelqu'un qui s'est levé pour regarder. Comment tu fais pour tuer? Je vous explique le mécanisme. Peut-être que les gens ne savent pas. Quand tu es dans la sorcellerie, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, hein, on m'a initié, on m'a présenté, les gens en noir me présentent. Donc, impérativement, tu dois envoyer quelqu'un pour avoir droit à la parole. Si tu n'envoies pas la parole à quelqu'un, tu n'es pas sorcier. Parce qu'on ne peut pas te donner, permettre que tu assistes à la confrérie. Or, ils vont t'obliger à donner quelqu'un. Et quand tu envoies quelqu'un, c'est une personne. Quand tu vois la deuxième personne, c'est la deuxième personne. Donc tu sais le nombre de personnes que tu as tuées. C'est là. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. Parce qu'il y a la sorcellerie inconsciente. Quand tu donnes la nourriture en rêve, tu manges en rêve,
Tu as l'impression que tu donnes à manger en rêve. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Mais elle se développe après, quand j'ai initiation. On peut te faire asseoir quelque part, sur un trône et tout ça. Et puis écoutez, vous qui rêvez souvent, je vais vous expliquer un peu les systèmes de rêve. Vous avez l'impression que vous voyez les gens qui parlent, vous n'étendez pas, vous n'attendez pas ce qu'ils vous disent, n'est-ce pas? Souvent les gens parlent, ils sont là. J'entends les dire. Vous reconnaissez le nom des visages, d'autres personnes reconnaissent le nom des visages. Ça veut dire qu'il y a des complots. La personne complote les choses contre toi. Parce que si c'est un message qui vient de Dieu, tu vas entendre. Amen. Amadé, c'est ça. Or, quand tu rêves, tu vois les personnes qui sont en train de chuchoter, qui sont en groupe, qui sont en train de parler entre eux, puis tu n'attends rien. Tu n'attends pas, ça veut dire c'est une confrérie de la sorcellerie qui est en train de jeter les choses contre toi. Parce que si c'est un message de Dieu, tu vas entendre. Amen. Dieu l'est précis. Si c'est un message, il va te parler. Ils vont te parler du moins. Si ce n'est pas Dieu, ils vont dire les choses que tu ne vas pas entendre. Donc tu as tué 200. Comment tu fais pour tuer les gens? Il est couché. La si la personne est couchée. Quand ta victime est couchée. Maintenant, je tends ma main comme ça, je tends mon bras. Mais d'abord, avant d'arriver où elle est couchée. Avant d'arriver où elle est couchée, toi, tu fais comment pour accéder là où la personne est couchée? D'abord, on veut le venir, je me transmets à la chose qui bouge. Ouais. Maintenant, quand j'arrive devant la porte de la personne, quand je rentre, je transforme en chat. Ah, quand tu arrives devant la porte de la personne, tu te transformes en chat. Et tu fais quoi après? Je tombe. Non, tu te transformes. On suppose que tu te mets dans la porte. Tu te transformes en hibou. Et tu vas devant la porte. En arrivant devant la porte, tu te transformes en chat. Maintenant, comment tu accèdes? Tu transmets ta porte. Mais comment tu ouvres la porte? Et puis tu accèdes à la personne à l'intérieur. Quand je rentre là, vous donnez la porte est fermée. Donc je rentre par la porte. C'est fermé, mais j'arrive à. Yako. Hein? Oh. Yako. On a. Donc on veut savoir, vous faites votre sorcellerie, qui c'est? On veut savoir. Sauf ça, les questions qu'ils sont en train de poser, c'est ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils veulent savoir aussi, on veut savoir. Quand j'arrive, je me la foutre à mes mains. Tu t'as dos sur le mur? Oui. Tu t'as dos sur la porte? Et puis je rentre. Et puis tu rentres comment? Au travers du mur? Oui. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans la chambre? Oui. Et quand tu arrives dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Quand je vois la personne coucher, je tends mon bras comme ça. Quand je tombe. Toi, tu dis à sorcier, non, couche-toi. Couche-toi. Couche-toi comme ça, comme. Non, du dos. Du dos. Du dos. Non, mets le dos. Quand je viens, il y a du feu, je m'en vais, je tombe. Ah, il y a du feu. Non, le feu, c'est pas chez nous, ça marche. Chez nous aussi. Oui. Je tombe mon bras comme ça. Tu fais quoi? Je tombe mon bras comme ça. Passons. Pendant que la personne dort, oui. Vous tendez le bras façon cou. Oui, et puis j'enlève. Vous enlevez quoi? J'enlève son âme. Vous enlève, tu enlèves son âme. Et tu amènes ça où? Le camp. Hé, ça m'intéresse de savoir la suite. Tu me fais les yeux doux. Tu ne peux pas te draguer, tu ne peux pas être ma femme. Pourquoi m'envoyer des yeux doux sur moi? Tu ne m'intéresses même pas. Pourquoi changer tes yeux? Tes sorciers avaient été délivrés. Tu fais YouTube, vous faites. Pourquoi arrêter d'appeler les yeux doux? On n'est pas dans faire des yeux doux, on a fait des délivrances. Petite soeur va te délivrer. Comment je peux pas dire ma fille? Tu fais des yeux doux. Tu fais un peu pas ça. Tes sorciers. Quand quelqu'un doit avoir du ta tête là. D'ailleurs, moi, je suis occupé. À bon entendeur. Salut. En fait, okay. Je veux vous aller savoir qui est dans la vie du prophète. C'est un mystère. Le prophète est un mystère. Mais le prophète, évitez de faire les yeux doux, il s'est occupé. Amen.
Je suis très occupé. Après, vous voulez bientôt les cadeaux. Amen. Parce que quand je vais annoncer ça, ça serait du bon cadeau. Je suis occupé. Parce qu'il faut mettre du temps pour choisir. On ne se lève pas matin pour choisir, sinon ça va se gâter. On a vu la semaine passée, une femme qui a marié un pasteur, ça s'est gâté. Le pasteur a initié sa prof. Ah. Donc il faut mettre du temps. Il faut prendre du temps, il faut réfléchir. Quand tu dis c'est ça. Elle ne pourra plus faire sauce graine pour te mettre dedans. Imaginez-vous le prophète, ou le pasteur dans sauce graine. Il a dû mettre sur lui. Lui, le gars, il est foutu. Faut réfléchir. Maintenant, la société, c'est pas tout. Écoutez, je vous explique un peu. Les gens me disent, pourquoi les enfants? Vous connaissez un peu les enfants? C'est pour cela que c'est important d'enseigner le mécanisme des enfants aux parents. Comment les enfants, ça fonctionne? Comment les enfants grandissent? C'est pour cela qu'il faut qu'on ait une école de parents pour leur enseigner comment éduquer les enfants. Pourquoi? Parce que si l'enfant est mal éduqué, que tu as un château, que tu as 3 milliards, il va gâter. Vous m'avez compris? Or, si un enfant il est bien éduqué, il va bien gérer le château, il va gérer l'argent. Donc, ce que nous avons besoin, c'est l'école des parents. Et c'est ce que nous allons faire demain. Demain, il y aura une école des parents à la fondation. À partir de 10h jusqu'à 12h, heure de Divo. 2 heures de temps. Avec le juge d'instruction de Divo. Eux sont des hommes de loi, sont des hommes de droit, sont des juges des enfants. Ils ont. Il faut que les gens parents connaissent le droit de l'enfant. Ça veut dire quoi? Pourquoi les gens arrivent à introduire les enfants dans la société? Je vous explique un peu. Donner un beignet à un enfant de 2 ans. Hein? Ok. Un enfant qui a toutes les facultés, à 2 ans, quand son camarade va lui demander, il ne va pas donner. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que là où il est plus seul dans la tête. Il doit gérer plus seul ses affaires. À partir de 6 ans, on pense qu'il faut partager. Donc, c'est des choses que vous devez savoir. C'est les enfants à partir de 6 ans. 4 ans, on ment. Si un enfant ne ment pas, c'est qu'il n'est pas enfant. Il n'a pas toutes les facultés. Donc, c'est des choses qu'on doit prendre. Sauf cela que les sorciers, ils ont compris que l'enfant, il est efficace dans la sorcellerie. Vous m'avez compris? Parce que quand on introduit dans la sorcellerie, il devient très dangereux. Pourquoi? Parce que là où il est, l'âge qu'il a, il aime plus démontrer les choses, il aime vivre seul, il ne partage pas. Là, c'est l'art de la sorcellerie. Les sorciers n'aiment pas partager. Vous m'avez compris? C'est pour ça qu'il faut que, ici en Afrique, les Blancs ont compris, hein? Mais ici en Afrique, on a besoin de l'école de parents. Chez nous ici, matin, le papa se lève. Aujourd'hui, viens. Ça va si la pauvre maman. Un pain qui sent odeur de fumée de la veille. Parce qu'elle prépare à 20h. Les gens mangent à 22h. Ça, ils ont envie de manger. Souvent, c'est à 23h. Aujourd'hui, oh. Mon riz est là. Oui. Sauce qui cultive est là. Oui. Qui cultive est sauce graine. Ils ont mangé ça chez moi aujourd'hui. Ok. On prépare, recoucher. Chez nous, c'est déjeuner, non, riz couché, sauce graine. On met la sauce en bas, le riz en haut, pour on mange. Quand il finit de manger, et puis boire vin de parc, on appelle des bangis chez nous, il boit clair. Maintenant, il va demander le fils, papou est où? Papou est fâché. C'est là qu'il vient, mais là, il est fâché. C'est vrai qu'on ne connaît pas, le papa, il ne sait pas que dans la maison, là, il y a quelqu'un, un enfant, qui doit être une priorité. Il ne sait pas. Il ne sait pas que l'enfant qu'on vient de mettre au monde aujourd'hui doit être une priorité. Il faut qu'on veille sur lui pour qu'il joue avec quelqu'un demain. Parce qu'on entend des parties, c'est normal. On entend des parties. On a mis quelqu'un qui va prendre la relève, mais il faut le former pour prendre la relève. On ne sait pas tout ça. Donc, c'est pour ça que les enfants, dans la sorcellerie, quand ils sont mal éduqués, vous savez, quand un enfant n'est pas allé à l'école, le fait n'est qu'un enfant ne doit pas aller à l'école, il trouve qu'il faut être délinquant, il trouve qu'il faut être voyou. Quelqu'un qui a eu son bac, qui sait que, en passant, parce que pour passer un concours en Côte d'Ivoire, il faut un cadet judiciaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faut un cadet judiciaire. Or, quand le cadet judiciaire est sale, ça veut dire que ton concours est nul. Donc, il va quand même faire un effort pour faire quoi? Pour être sage. Vous comprenez?
Donc ça veut dire que l'éducation, elle est vraiment importante dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc ça veut dire que, je vous donne l'information pour dire, les sociétés ont compris et qu'il faut d'abord attaquer les enfants à la base. Il faut l'introduire dans la sorcellerie parce que quand un enfant devient sorcier, il devient très dangereux. Parce que l'enfant, il vient découvrir quelque chose. Et tu vois que le papa qui crie sur lui, lui peut le chicoter la nuit. Et puis il n'y a rien. Le papa se réveille, la mort des reins. Hein? Il le pousse, il tombe. On dit, il a coma, il a tension. Il est dans coma. Hein? Donc je peux le frapper, oui. Je peux le tuer, oui. Donc l'enfant, il ne laisse pas. Vous comprenez? L'enfant, il vient découvrir un mystère. Il découvre, c'est pour ça que l'enfant, il est plus dangereux. Après l'enfant, en matière de sorcellerie, vient la femme. Parce que la femme, elle est souvent abusée. Vous êtes nos mamans, hein? Je vous défends toujours. Mais vous abusez. Hein? Souvent, quand on vous donne le pouvoir, vous abusez de ça. Donc, une femme devient sorcière, ah, elle est dangereuse. Hein? Elle est très dangereuse. C'est pour ça que, vite, vite, elle a piqué. La première des choses qu'une femme devient sorcière, la chose qu'elle va d'abord chercher à voir, ça va kiki en sorcellerie. Pourquoi? Pour gâter grossesse ses camarades, pour leur empêcher de faire enfant. Oui. Et puis justement, quand elles sont nombreuses dans la confrérie, elles deviennent reines à la confrérie. Vous comprenez? C'est pour cela que maintenant, prions Dieu que nos enfants soient bien éduqués. Amenons-les à l'école pour qu'ils soient occupés par l'école. Parce que l'école est faite pour les enfants. C'est ce que nous avons compris pour créer notre ONG. Nous avons créé une ONG qui s'occupe de l'éducation des enfants. C'est pour ça que demain, nous allons lancer nos activités pour que les enfants, leur place n'est pas à la rue, dans la rue. Sinon, si l'enfant est à niveau CM2, et l'enfant niveau C2, et l'enfant niveau C1, il grandit à ça, c'est quelqu'un qui est un alphabète, c'est un handicap. Il va commettre les choses pas possibles. C'est pour ça que même quelqu'un même qui a un niveau C2, il doit aller à l'école pour se recycler. On a toujours besoin de comprendre et de connaître des choses. Amen. Amen. D'accord, on est d'accord avec ça? C'est pour ça que moi, je suis beaucoup touché quand les enfants sont dans la sorcellerie. Beaucoup touché. Vous avez vu la petite fille qu'on a pris, on a récupéré sorcière, qu'elle était ici. On l'a récupérée, on l'a mis à l'orphelinat. En quelques 2 mois, elle a changé d'aspect. Elle a changé. Amen. Parce qu'un enfant, il faut créer un environnement pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse recevoir son éducation. Or, la sorcellerie, c'est pas que sur le visage. Quand un enfant vient à la sorcellerie, vous voyez qu'il est bien très têtu. Pendant que tu parles, il ne t'écoute pas. Ça, c'est de 1. De 2, allez le voir dormir la nuit. Il croit ses pieds. Et quand une fille commence, une jeune fille qu'on amène dans la sorcellerie, ce qui va devoir l'attirer, c'est la prostitution. Ou bien commencer à voler la maison, ou bien elle va fuguer. Elle va commencer à fuir la maison, elle va commencer à fuir la maison. Elle est maîtrisable, on ne peut pas la maîtriser. Vous allez vous amener la main dans un château. Elle préfère aller dormir à Moscou. Vous comprenez? Amener la Paris. Elle préfère aller dormir à Moscou. Elle préfère, non, l'Europe, c'est bien. Oh, les gens cherchent l'Europe avec torche. Ça veut dire, d'abord, il y a cette gêne de la sorcellerie amère. Derrière dans le comportement. Elle est mal polie. Quand elle te parle, elle est mal polie. Elle te répond parce qu'un enfant déjà c'est. Vous savez, je vous dis une chose, pour que ça soit clair dans l'esprit de chacun d'entre vous. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es exposé au diable. Tu as l'esprit du mal. Donc l'esprit du mal veut dire l'esprit mauvais. Quand quelqu'un, un enfant, un esprit mauvais, il est mal poli. Pendant que toi tu lui donnes les conseils, il voit autrement. Amen. Amen. Vous allez voir que moi j'ai écouté beaucoup de choses. J'entends toujours beaucoup de choses. La petite fille, elle est là. Elle a envie de coucher 2-3 personnes pour la voir en Europe. Mais en Europe, mais les gens souffrent parce qu'ils ont des enfants là-bas. Oh là là, là c'est grave. Parce qu'on ne les touche pas. On ne va pas les toucher selon la loi. Et c'est vrai qu'on ne doit pas toucher l'enfant. Mais quand on ne dit pas parce que l'enfant est possédé, l'enfant a accès à l'Internet, l'enfant a accès à beaucoup de choses. Et en même temps qu'il devient sorcier, il fait beaucoup de vilaines choses. Et c'est les parents qui paient ça après. Parce que demain, ça peut devenir un AVC. Les parents en meurent. C'est un AVC. C'est pour ça que quand tu commences à mettre un enfant au monde, qu'il est déjà dans ton sein, commence à prier pour lui. Amen. Parce qu'un sorcier même peut déjà convoiter l'enfant qui est dans ton ventre. Mais oui, ça sent qu'il a une étoile, il faut le détruire.
Vous m'avez bien compris? Amen. 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 Ça va? Comment les gens initient? Ils n'initient pas parce qu'ils ont envie d'initier. Ils initient les gens parce qu'ils savent qui est l'enfant. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Le diable, ce n'est pas pour dire non, je vais t'initier. Mais il t'initie. Il t'initie parce qu'il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Regarde la petite fille. Terre à terre, l'exemple terre à terre. La petite fille de quelqu'un d'orphelinat. Regarde-la quand elle a chanté ici. Moi-même, quand elle m'a crié avec les chants, je la regarde et je suis étonné. Je lui ai dit, ah, c'est comme ça que tu es. On voit mieux de là, elle s'explique. Avant, elle avait peur de parler parce qu'on l'avait séquestrée dans les chaînes, elle parle. Mais personne, aucune personne, aucun enfant n'est né pour accident. Mais les enfants ont dit, vous voyez aujourd'hui là, c'est une attaque démoniaque. Or, les blancs vous disent, les scientifiques vous disent, les enfants autistes sont les plus intelligents. Ils vous disent ça. Or, les choses, j'ai pas envie de vous dire. Comme, mais je vais dire un peu. Même si on est en guerre. Je vais dire un peu. Parce que la franc-maçonnerie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, un système en place. Vous n'avez plus accès, vous qui accouchez à l'Occident, peut-être que c'est en train de venir ici, accès à votre enfant. Quand vous le mettez au banc, c'est les sages qui le récupèrent d'abord. Amen. Tout de suite. Ils le récupèrent d'abord, et puis on le suit. D'abord, on fait la prise de sang. Pour savoir, ils ont la faculté, ils savent. Depuis quand l'enfant est bébé dans le ventre, ils savent qui, la mentalité de l'enfant. Ils savent que l'enfant est mort. Ils savent si l'enfant devait être donné bonbonné, ils le savent. Ils le savent. Ils mettent des problèmes d'avorter parce que l'enfant, ce n'est pas bon. Son cerveau est nul. Mais s'ils savent que l'enfant, il est bon, il accepte que tu l'enfantes, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, il te récupère l'enfant. Maintenant, c'est la salle à prendre. Non, il est venu mon bébé. Et il est venu au 10. Parce qu'on prend le sang par la pluie de sang. À partir de la pluie de sang, on peut déjà détruire l'enfant. C'est cela que la plupart de nos enfants et la plupart de ceux, nos Africains, qui passent les stades d'opération des Blancs, on prend leurs organes, on donne à d'autres personnes. Quand vous passez forcément, je ne dis pas que c'est forcément comme ça, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Parce que nous, les personnes sont plus humaines. Ils voient des gens, il faut prendre des organes pour donner à d'autres personnes. Le trafic d'organes, ce n'est pas dans nos hôpitaux que Dieu les délivre. Parce que la sorcellerie, c'est sous d'autres formes. Ils trouvent que non, il faut l'opérer, mais elle peut vivre 5 ans, et tel organe, il faut donner ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils puissent vendre. Nos hôpitaux sont de nos commerces. Les villes de commerce, c'est une manière de la sorcellerie, mais une autre forme de sorcellerie. C'est cela qu'il faut que Dieu vous protège contre toute forme d'opération. Amen. Dis amen. Amen. Dieu peut vous guérir miraculeusement. Amen. Sans qu'on vous opère. Amen. Il peut le faire. Amen. Il a cette capacité de le faire. Parce qu'il est un Dieu de miracles. Donc, si cette forme-là, c'est aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il fait que nos enfants aujourd'hui, ils sont des gens initiés depuis qu'ils sont sortis de l'hôpital. Aujourd'hui, mais ils veulent. Aujourd'hui, ils demandent la permission pour mettre des puces. Parce qu'ils disent que c'est un code pour qu'on puisse identifier l'enfant. Or, nous savons que c'est le chiffre 66 qui se prépare. Or, avant ça, j'avais déjà beaucoup de systèmes qui étaient déjà mis en place pour ça. La plupart des sages-femmes sont francs-maçons. La plupart des médecins sont de la franc-maçonnerie. La plupart d'entre eux ne croyaient même pas en Dieu. Demandez-le, ils ne croient pas en Dieu. Or, quand quelqu'un ne croit pas, il faut avoir Dieu. Il est prêt à tout. Tu vends la série, je lui. Il peut mettre des caoutchoucs dans ton corps, après ça, il t'attend 5 jours, tu mets. Il va demander, t'as encore avec qui? Tiens bon, tiens bon. Que Dieu nous aide. Amen. C'est pas ça dit seulement qui est sorcier dans le village. Les gens là à l'hôpital, les médecins, souvent la plupart. La médecine est là pour nous sauver. Ça, elle est là pour nous sauver. Dieu a créé ça pour apporter quelque chose, un plus à l'humanité. Mais derrière, j'ai la main du diable. C'est ce que je vais vous expliquer. Je n'ai pas dit qu'elle est mauvaise. Non, elle est là pour ça. Non, mes parents, la plupart, mes parents, il y a la médecine dans mes parents. En fait, ils étaient médecins, tout ça. Mais, je vous dis aujourd'hui, les gens font des ventes d'organes. Et nous autres, nous sommes contre ça. Si le monsieur, son organe est gâté, c'est pour l'autre. Dieu lui a donné ça. Pardon. Chacun a sa vie. Dis amen. Amen. On ne se peut pas acclamer Jésus-Christ.
Monsieur, quand tu comme le reste, j'arrive même avant même, où il va pas la nuit, il attaque un peu. C'est ce qu'on nous a dit. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai ou pas? On dit guérir même là. Arrête. C'est pas fait des rêves, mais hein, de temps en temps, il y a la petite champion noir. Ça va, monsieur? Oui, ça va, monsieur. Comment? Parce que maintenant je suis délivré et ne pratique plus la sorcellerie tout ça. Amen. Hein? C'est un monsieur très dangereux en matière de sorcellerie. Mange. Et ça va maintenant? Oui, ça va maintenant. Il a eu un master en chat noir. Un master, un diplôme. Master en chat noir. La nuit, lui dort en bas, il se retrouve en haut. On lui soyez la tête, non la queue. Donc il est en haut. En exercice de chat noir. Il a fait ça, cas fatigué. Et puis le Seigneur lui a donné un bon coup de poing sur sa nuque. Il est arrivé ici pour être délivré. Ça va? Et ça va. Maintenant, il faut chercher ta femme. Il ne faut pas aller embrasser la femme des gens. À chacun sa femme. Amen. Mais lui, il doit chercher, il doit avoir sa femme. Si c'est qu'il doit faire chat noir, il doit avoir sa femme. Donc s'il a été délivré, Dieu lui donnera un jour sa femme. Amen. Ah, amen. Amen. Il va laisser femme des gens. Chaque homme a sa femme. Il ne faut pas t'embrouiller. Quel que soit le temps, ton mari viendra un jour vers toi. Amen. Siri qui n'est pas ton mari, il faut le laisser. Tu as compris? Fatou n'est pas ta femme pour la laisser. À chacun sa femme, à chacune sa femme. Ça va? Bon, ça veut dire quoi? Son témoignage dit, veut dire qu'on peut être sorti et puis être délivré. Amen. Toi, tu ne croyais pas, ils disaient, non, c'est pas possible qu'un sorcier change. Non, si, il y a des sorciers qui peuvent changer aujourd'hui. Ça va? Oui, ça va. Hmm? Ça va. Pourquoi vous, là, les sorciers, là? Je vais poser une question, peut-être que les gens n'arrivent pas à vous poser. Après la délivrance. Pourquoi vous ne cherchez pas l'argent pour envoyer? Nous, on va manger. On va manger. Pourquoi vous n'avez pas l'argent? Nous, on va construire un mur. Pourquoi? Vous traversez le mur. Il y a les murs, il y a les coins, il y a les murs, il y a l'argent derrière ça. Il y a les murs, quand tu travailles, il y a l'argent derrière. Continuez. Là, vous ne prenez pas. C'est ça qui est couché là. C'est ça qui vient, vous voulez manger. Ah, checker à Kojama. Et puis, petit agent, il a une caisse. Plein, plein. Il cotise. C'est là où vous voulez le manger. Pourquoi? Pourquoi vous ne prenez pas l'argent pour envoyer dans la famille? Donc, la sorcellerie, ce n'est pas pour prendre de l'argent, c'est pas ça pour faire les gens. Donc, pour faire les choses. Ils ne sont pas bien bons pour tuer. Ce n'est pas pour faire des bonnes choses avec. C'est pour tuer seulement. Oui, pour détruire, pour garder la vie des gens, pour garder les chances, tout ça. Pour pas aller prendre l'argent, tout ça. Bon. Non, c'est pas pour ça que. Non, je demande, est-ce que vous voulez passer pour ça? D'aller prendre l'argent aussi. L'essentiel, c'est qu'il a été délivré. Dis amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et après, comment tu les tues? Tu traverses le mur, tu les tues. Oui, tu as attaché combien pour tuer? Et dis-moi le nom des gens qui tu as attaché. Pour laisser Dieu doux et moi, c'était déjà que je suis occupé. T'as compris? Moi, je suis occupé. Avec sticker. Je suis occupé, il y a sticker là-dessus. Donc, hein? 13 personnes. 13. Voilà. Donc, dis-nous, qui sont les gens que tu as attachés? Il y a ma
grande soeur. Elle est qui? Larissa. C'est qui? C'est moi. Tiens. Tiens, chérie. Ça met dans sa queue. C'est qui peut. Je vais la manger. Vous venez d'où? Abidjan. Oh, précisément Abidjan. Youpour au Maroc. Ça ne vous gêne pas qu'on vous file? Ça me gêne, mais c'est pas. Non, ici c'est comme ça. On vous a déjà posé. Ici, quand vous venez, vous attendez à voir des fils parce que aujourd'hui, nous démasquons la pratique de la sorcellerie. Pour nous, tout est ouvert. C'est les sorciers, les marabouts, là. Vous rentrez dans leur maison bizarre, il y a drap derrière. Ce qui fait, là, vous vous lave, avec tout ça, tant vous et lui, on ne voit pas. Ici, tout est vu. Voilà. Vous n'êtes pas que demain, on dit, quand je viens chez le prophète, voyez comment elle a fait, voyez comment elle a fait. Ici, là, tout, on voit tout. Nous sommes lumière, tout est pratique ici. Pratique, c'est trop dit. Tout ce qu'on fait ici, ça passe dans la lumière, c'est tout est clair, tout est fumé. Et bien d'ailleurs, on a l'heure de l'internet. Les gens même vont bavarder. Ça va? Ils font Facebook Live. Bonjour, Facebook Live. Nous, c'est instructif. C'est ça qu'on a des pages pour instruire les gens. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train d'édifier. C'est vrai que. Mais tout le monde est passé par là. Voilà, c'est pour ça qu'en bas de venir, on vous pose d'ailleurs une question là, au bureau. On vous dit, déjà dans le contrat, le protocole d'accord, tout est filmé. Tu peux ne même pas passer ici dans la foule, nous filmons tout. Hein. Voilà. On ne filme pas pour vous dénigrer. On filme parce qu'on démasque. On est en train de faire un travail. Moi, je suis en train de travailler. Ça fait partie des outils du travail. Je suis en train de travailler et tout ça. Voilà. Donc, merci que ça ne vous gêne pas. Vous faites. Voilà. Vous venez du Maroc. Vous l'avez envoyé pour beaucoup dans beaucoup de camps de prière. Bon, je pense bien 3 à 4 points de prière. Ok. Mais d'après elle, elle a dit qu'elle n'était plus dedans. C'est comme ça, c'est resté à tout moment. Quand je fais des songes, quand je me réveille, j'essaie de l'approcher pour lui demander ce qu'elle a fait sur moi. Ou soit elle est toujours dedans. Très bien. On va revenir sur le songe que tu as dit. Donc tu fais souvent les songes. Oui. D'accord. Je te parle souvent dans les rêves. Et pour qu'elle n'a pas laissé la sorcellerie. Et oui. Très bien. Et c'est ce qui a fait que vous l'avez amené ici. Bon, puisqu'elle n'arrêtait pas. Non, c'est ce qui. Oui. Mais comment vous avez connu? Bon, c'est un ami. Ok. Vous n'avez jamais su qu'il y avait un centre ici? Non, jamais. Oui. Je vous informe que ça fait plus d'années que ça existe. Et c'est plus qu'on est à l'étranger qu'ici, mais d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous a poussé à dire ça à l'étranger, à votre ami? En fait, ce n'est pas moi-même qui ai annoncé. J'ai ma soeur qui vit chez lui en France. Ok. C'est comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est ressorti ce que je voulais entendre. Ce que je voulais entendre est ressorti. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui vit même en France qui vous a parlé d'ici. Oui, oui. Très bien. Ok. Je continue. Vas-y. Bah, c'est comme ça, il a dit à ma soeur que je ne comprends pas ta grande soeur. Là, quand je vais l'envoyer de l'argent, j'arrive pas à l'envoyer de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en bas. Et elle, à tout moment, quand il lui disait ça, ça l'énervait. C'est comme ça, elle a dit oui, notre petite soeur qui vit avec elle, elle est sorcière. C'est comme ça, il m'a accusé de dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle est sorcière? On va essayer de faire quelque chose. Puisque depuis que tu l'envoies, tu me dis que tu l'envoies dans des coins, il n'y a pas de suite. Okay. Donc c'est comme ça, il m'a dit, ok, tu vas à Divo. Prophète Crasso, c'est comme ça. Des chrétiens? Un ancien chrétien, mais comme ça. C'est important. Ouais, ici, je t'enseigne que chaque homme de Dieu a une spécialité. Moi, je croyais pas en Jésus. Comme tu crois en Jésus, je croyais pas en Jésus. Je suis fils de musulman, j'ai été converti parce que j'ai vu un miracle de Jésus-Christ. C'est ce qui m'a mené à la conversion, parce que j'ai vu Jésus-Christ puissant qu'il est. En train d'écraser la sorcellerie autour de moi, je lui ai donné tout mon cœur. Je suis maintenant utile entre ses mains pour démasquer et détruire les œuvres de la sorcellerie. Dieu, il est souverain. Il n'y a pas une situation qu'il ne peut pas maîtriser. Celui qui dit, mon problème, je ne sais pas pourquoi Dieu ne peut pas le résoudre, c'est que lui-même, il lâche, il a commencé à relâcher. Peut-être Dieu, ou bien il ne croit pas en Dieu. Sinon, tout problème est une solution dans le Seigneur. Sauf ça que à chaque homme de Dieu, il y a une spécialité. Et les gens, ils aiment abuser. C'est-à-dire, ils ont un don, ils préfèrent mélanger les dons. Ici, pratiquement, on a compris nous autres.
Dieu nous a spécialisé dans un domaine, la destruction des œuvres, la sorcellerie, qui résume tout. C'est-à-dire le sorcier détruit, il donne les maladies, il bloque les mariages, il bloque les finances, il bloque le travail. Et c'est ce que nous réglons ici. Voilà, c'est ce que nous réglons ici. Et puis, nous avons juste communiqué, ça ne fait pas beaucoup de temps. Internet, ça fait maintenant 4 ans de ça, qu'on a commencé à poster ça sur le YouTube. Mais ça existait le ministère depuis 2006. Ça fait d'abord 11 ans que ça existe. Sur le territoire ivoirien, qu'on a commencé à travailler. Voilà, donc on a beaucoup aidé beaucoup de gens. Nous sommes en combien, Bruno? Combien de sorciers délivrés? 8489 sorciers que nous avons délivrés de nous-mêmes. 8000 que nous avons délivrés. Il y a des pasteurs qui sont devenus, des sorciers qui sont devenus pasteurs. Voilà. Donc ça veut dire, ta soeur, elle peut être délivrée. Non seulement ça, on va la délivrer, mais après la délivrance, l'après nous intéresse. Comment elle sera après? Parce que justement, quand les gens finissent de délivrer les gens, ils n'arrivent pas à aider ou bien accepter la délivrance. Ce qui fait que la personne délivrée replonge après ou bien elle est dans une situation où elle est rejetée. Tu comprends? Mais en même temps, ce qui nous intéresse, je vais poser la question, quels sont les gens que tu as programmés? Bien qu'elle soit sorcière, qu'elle a tué des gens, mais en même temps, il y a des victimes. Or, c'est ces victimes qui nous intéressent. Parce qu'il faut que demain, tu es important pour la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Il faut qu'on te délivre. Ça va? Tu m'as bien compris? Oui. Je sais que tu as beaucoup compris déjà. Le fait même qu'elle ne soit pas morte, ce que tu as compris, tu as beaucoup amour. Le fait qu'elle ne soit pas morte aujourd'hui, tu as beaucoup compris. Nous autres, nous comprenons beaucoup de choses. C'est vrai que les gens disent, ah, le prophète Crasseux. Non, moi je suis amour. Ce qui est à moi, c'est l'Esprit Saint. C'est l'amour. Le diable, il tue. Mais quand tu m'affrontes, je te montre ton chemin. Amen. Amen. Je suis amour. Mais quand tu m'affrontes, je te montre un chemin. Tu comprends? D'abord, ce que je te montre en tant que chrétien, c'est l'amour. Maintenant, quand tu me montres que toi, tu as un autre chemin à emprunter, je t'aide à emprunter le chemin. Donc ici, c'est l'amour. Et je pense que tu as aussi beaucoup amour. Parce que le fait que je sois ici, c'est déjà un acte d'amour. Parce que c'est ce qu'il dit aux gens, si on ne vous a pas dit, on ne vous a pas mis petite chose pour vous empoisonner, pour vous envoyer chez vous. Combien? Amina, il y a un Mauritanien, la CSM. Chez les Mauritaniens, la CSM, il y a beaucoup de manières d'envoyer les gens Mauritaniens. Et Dieu te bénisse, d'accord? Tu as gâté quoi, Sylvie? Son travail, ses études et son mariage. Son mariage. Ce mariage, comment tu as gâté le mariage? C'est ça ton problème. Non, je n'aime pas que tu tiques. C'est comme on te forçait pour parler. Non! Attendez, tu viens de manger. Elle a le problème comme ça. Elle entend avant manger. Elle va faire ça. Tu dois manger où? Je suis voulu empoisonner. Elle a le prophète. Et le gars là, si on ne peut pas faire barbecue. Mais bon, je suis bien. Ça va? Comment t'as fait? Qui est venu avec elle? Hein? La fille me regarde. Elle convoite ma chair. Je me suis dit grillage. Ça va? Ah non, le prophète, on ne mange pas. Tu as faim? Ce sont dangereux. On mange pas prophète, hein? En vrai. Hein? Hein? Faut pas honte, hein? Parce que c'est dans vos cœurs, là, je vois ça pour vous. Ah, mais il y a bonne chère. Bonne chère. Fait que nous, il y a deux tomates, piment frais, celui de trois. Ah, petit appuie là-dessus, tu manges rien, tu manges. Ça bout 15 minutes, c'est fini. On a mangé le gars. Ah! Facilement comme ça. Comme chacun rêve. Mais ton rêve là, c'est cauchemar, hein? Allons-y. Ça va? Tu es une très belle femme. Dieu te donnera beaucoup de choses, d'accord? Généralement, c'est les bonnes choses que le diable attaque. C'est ce qui fait mal. Personne
une femme aimerait avoir un homme. Ou bien, tu es sûr dans le lit, tu tournes, tu prends le mur, tu prends. Tu te maquilles sur moi. Comment sur moi maquiller, pardon. Tu dis, ah ben, tout excès nu. Tu dis, merci. Rouge à lèvres, noir à lèvres, bleu à lèvres, vert à lèvres. Ça devient orange, blanc, vert. À quoi? T'as quel problème? Le problème, tu te dis, mais est-ce que tu es belle? C'est ça le problème. Tu te dis, mais est-ce que tu es belle? Tu ressembles à celle qu'on peut approcher? Si. Au-delà de ce que tu fais, il y a une autre masse que la sorcellerie que tu portes. C'est ce que vous devez comprendre. Que les gens s'en fichent de maquillage. Ça a duré combien de temps? Tu n'as pas de maquillage. Pourquoi la vraie beauté de quelqu'un réveille le matin? T'as dit ça va? Ah! Amen. Ouais. C'est matin. Rendez-vous matin au salon. Oh, il y a perruque là-dessus. Ils m'ont fatigué en Europe. Seigneur, choque-moi. C'est de notre attitude. Être coumé, mais chez perruque. Il y a d'autres mecs qui sont chauds ici. Pourquoi t'as ici? On va tout dans délivrance. De mon sort, elle est la bien désignée. Mèche. Content, tu dis. Regarde la femme, elle est belle. Mèche. Chauve. Mais Dieu va nous aider. Amen. Parce que le diable aussi, il est bizarre. Amen. Donc tu as gâté son mariage. Comment tu as gâté son mariage? Parce que je couche avec elle dans la nuit. Ça, tu as ouvert le dossier. C'est ici qu'on appelle dans le procès. Ouvrez le dossier. Comme on couche. Monsieur, tu regardes. Ta colère sorcière. Tu couches comme avec elle. Ah, c'est toi qui as dit, oui. Tu couches comme avec elle. Moi, j'ai dit, c'est les gens courageux qui vont la sorcellerie. Tu n'as pas peur. Oh, la nuit, on a peur. Vous n'avez pas peur. Comme chaque. Vous partez dans les coins. Tu as Kiki? Très bien. Toi, ta femme, tu es femme. Et tu as un Kiki. Donc, tu en as deux. Réponds-moi. Tu as deux. Tu as pour les hommes. Tu as pour les garçons. Tu as pour tes femmes et puis tu as pour les garçons. Pour la demande, c'est pour les femmes qui est, c'est pour femmes qui est là. Garçon, là, ça vient à quel moment? Minuit. Hein? Minuit. On appelle ça 0h. Et ça vient. Là, tu viens garçon. Et tu fais quoi? Je monte sur elle. Avant d'arriver à l'arc de monter ciel, elle est d'abord où tu montes sur? C'est qui? C'est nous. Dans ta chambre. Hein? Non. Non, pour expliquer. Nous sommes couchés, hein. Parce qu'on doit faire la même chose. Elle fait une changua spirituelle. Elle dort. Elle est dort. Elle ne se réveille pas. Yo lo 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 l
Les gens, tu n'es pas dormi, c'est un conseil jazz. J'étais en Italie, j'ai traversé le couloir, je suis revenu. J'ai dit, c'est quoi ça? Après, t'attends, D'ailleurs, ils sont terribles, hein. Ils sont J'ai dit, mais lui, il peut se marier. Que Dieu nous aide, hein. Il y a un monsieur qui m'a rendu à Paris, il dit, j'ai entendu peut-être pas suivre la vidéo. Sa femme dit, pardon, faut porter le masque, je dis, Rolf. Il veut rentrer, il a porté masque, il dort. Je lui ai dit, c'est tellement simple. Nous, on est déjà experts dans ça, on a été rodé un peu. Il faut que tu dormes sur ton ventre, tu vas plus rentrer. Donc, c'est une école. Hein. Il a rentré à tomber sur le ventre, son femme a vu. Donc, tu couches avec elle. Il fait comment? Ne voyez pas ça comme des illusions, de la plaisanterie, parce que par moment où vous dormez, vous avez l'impression, quand vous réveillez, vos caleçons mouillés, ou l'impression que les caleçons mouillés, vous avez fait l'amour avec quelqu'un, et puis en réalité, vous éjaculez dans vos caleçons, ça veut dire, c'est un rapport sexuel, mais spirituel, qui a été fait spirituellement. Or, ça a été vraiment un acte qui a été posé, mais dans le spirituel. Or, quand c'est posé dans le spirituel, il y a quelque chose que la sorcellerie gâte. Parce que la femme a un bonheur en elle. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur et détruit ça. En détruisant ça, ils éjaculent en vous. En éjaculant en vous, vous avez les problèmes de fibromes. Demandez à tous les médecins, gynécologues, chirurgiens. Moi, j'ai déjà vu. Parce que je voulais, pour ma curiosité, voir les fibromes. Ils ont fait sortir les fibromes, j'ai vu. Il y a deux guéris, il y a vomi. Ça bat, ça vit comme un enfant. Comme un enfant, ça. C'est comme un monstre. Et ça grossit dans le ventre. C'est le sperme d'un sorcier dans ton ventre. Ça peut devenir un enfant, mais ça te crée des problèmes. C'est pour ça que vous avez tous les problèmes de fibromes, vous avez tous les problèmes de myomes, de kystes. Tout ça, c'est la base de la sorcellerie. Le résultat de la science, c'est de vous opérer. Or, quand vous opérez, ça repousse après. C'est pour cela que les gens doivent composer avec le monde spirituel. Dieu doit avoir sa main dans la merci. Il faut que les gens reconnaissent que Dieu, il faut composer avec aussi le monde spirituel. Parce qu'il y a aussi des maladies qui sont d'ordre spirituel. Quand un sorcier t'embrasse, ce n'est pas le plaisir sexuel que les recherche, mais c'est de te nuire. Chacun d'entre nous a une étoile. Tu as une étoile et c'est cette étoile qu'on détruit. Et en même temps, on t'injecte des choses. Donc tu es un kiki. Ça quitte où écoute. Ça combien de mètres? Ça peut quitter là. C'est là. Oh, ici. Ça arrive là. C'est pas un kiki pour te caresser. C'est un kiki pour te tuer. C'est petit, c'est bon, c'est naturel. Quand c'est Gaïa, c'est plus naturel. C'est pas pour te caresser. Je tente de le délivrer, monsieur, qui est bisexuel. C'est pas comment on appelle ça. Les gens, en même temps, qui aiment aussi se sodomiser. Hein? Lui coucher les femmes. Hein? Mais il se fait plaisir dans l'anus. Et là, vous voyez, Kiki, en caoutchouc. Gaïa dans mon bureau, c'est un emploi, il est là-haut. Il joue. Je l'ai regardé. On se regarde. J'ai attrapé ma tête. C'est pourquoi? Oh, le monsieur, pendant que les enfants sont au salon, il met la musique et le papa est dans la chambre. Avec le kiki dans l'anus. Wow. Se fait plaisir. Et il a une femme. Oh, à cause de ça, il a divorcé 3 fois. Et j'enseignais un peu sur ça. Tu es garçon.
piqué en caoutchouc. Toi, tu mets dans ton anus. Et toi, tu sens un plaisir. Tu te marsubes. Pour jouir. Oh, il y a femme. Il y a fond partout. C'est pour ça que vous les pédez là. Dieu va pas vous juger. Il y a plus d'hommes que nous, les, plus de femmes que nous, les garçons. Les femmes, elles sont beaucoup. À chacun sa femme. Et puis deux hommes se mettent ensemble. Non, maman, on voit comment? On a même pensé à ses femmes. Et voilà comment? À chacun sa femme. Deux garçons durs, moulés, poilus. Couchés dans les embrasses, Quels sont ceux-là, ça? Et tous nos dirigeants sont dedans. Et nous encourageons à accepter ça. Vous irez tous en enfer. Au nom de Jésus-Christ. Nous-mêmes, avant qu'on dort avec un cousin, dans la chambre, on est arrivé. Comme il est fâché. Mais tu as dormi un cousin. Oh, tu le regardes. Il dort, mais il touche, te touche, tu te lèves. Hé, je suis ta copine ou bien? Pour ça va. Il dort, il fait un cauchemar, il te touche. Oh, il n'est pas. Il voit sur le tape. Pour dire non, n'est pas fait. Pour un homme. Mais il n'est pas une femme. Toi, tu es femme. C'est femme du cul. Qu'est-ce que tu as gâté en elle? Son travail, son mariage. Ok. On t'écoute. Maintenant, il y a une de mes grandes sœurs aussi. Père Sonia. Elle est là. Sonia, viens. Elle est là. Sonia. Vous m'avez voté là, on a agité chez vous là-bas. Hein? Ils ont pris le budget pour aller jeter chez vous, ok. Abla. Chez vous, on a planté ça, ok. T'as fait quoi, Sonia? Pour qu'elle et son mari ne s'attendent pas. Donc, quelle hâte à te poser? Trop fort. Vas-y. T'as fait quoi? Les paroles, tu l'as dit à l'Akbar. Si toi-même, on utilise ça pour toi. Il n'y a pas là toi, tes maris. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le monsieur n'est plus le même. Tout et tout, il a changé. Je parle d'une histoire, un problème qui me concerne. Laisse la attente. Tous les nefs. Ça veut dire quoi quand tu parles de quoi là? Bon, je peux dire, ah vraiment, je suis dans tel besoin. Ah, oui. Dis non, lui c'est, n'est pas là. C'est qu'il ne faisait pas ça avant. Il ne faut pas avouer qu'il ne faisait pas ça. Il ne faisait pas ça avant. Okay. Avant, il ne faisait pas ça. Dès qu'il prend ses revenus, en tout cas, mes problèmes sont ses problèmes. Okay. Mais depuis la dot, on avait un projet du mariage. On a acheté tout. Depuis lors, le monsieur ne parle plus du mariage. Il ne parle même plus même de quelque chose, mais forcément. Quand il rentre à la maison, tout nerveux, mais comme je persiste dans la prière, en train de prier, je me dis, mais c'est quoi? Vous êtes ensemble quand même? Oui, nous avons deux enfants, une maman.
Mais tu as gâté le mariage, ça dit sur le plan spirituel, il ne doit pas se marier. C'est ce qu'elle a dit. Qu'en réalité, vous êtes ensemble, mais vous ne pouvez pas vous marier. Or, il ne faut pas être une personne comme ça. Une mois, un an, deux ans, trois ans. D'accord. Mais vous ne pouvez pas rester éternellement là ensemble. On peut passer un moment en train de s'étudier. Ça peut arriver. Et ça doit aboutir au mariage. Or, quand le monsieur ne rêve plus ça, c'est qu'il y a un problème. Et c'est toi qui vas toucher la femme de quelqu'un. Ah, c'est fait. Nous les garçons, c'est pour ça que nos mamans que Dieu bénisse. Un garçon, il peut tout pardonner à une femme. Hein? Sauf infidélité. Il faut aller donner l'argent à tampon. Tes parents, non, ça fait rien, je te pardonne. C'est bon. Ah, je t'aime. Il va te prendre en fangant des lits. Avec Zadi. Dans son lit. Hein? Va chercher l'ange le plus dangereux de l'intercession. Jamais va t'accepter. Mais la femme, elle accepte. Pour ça que demain, le dimanche, nous devons célébrer les mères. Bonne fête des mamans. Amen. Amen. Que Dieu vous donne le cœur. Les hommes m'ont dit un message. Les hommes disent qu'il ne faut plus que les mamans fouillent dans leur portable. Hein? Les hommes demandent que le plus gros cadeau de cette année de fête des mères, ne fouillez pas dans leur portable. Sinon, vous allez avoir migraine. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Le plus gros don que Dieu nous donne à l'homme que nous sommes, c'est la femme. Celui qui nie ça, c'est un sorcier. C'est pas parce que je suis tourné, rentré gauche à droite, regardé, sans la femme, l'homme n'est rien. Mais il faut être la bonne femme. J'ai toujours dit, avoir une bonne femme, il faut être un bon mari. La femme doit donner preuve, qu'elle doit prouver qu'elle mérite d'être mise dans un foyer. Dans les actes qu'elle pose. Parce que c'est les actes que tu poses qui poussent l'homme à t'envoyer à la maison. Je n'ai jamais vu une femme aller dire, monsieur, il faut venir à la maison. Tu vas aller chasser après. Les femmes, vous êtes fort dedans. Chasser les maris, là, vous êtes fort. Si tu as dit, monsieur, viens, monsieur, tu sais l'eau. Je dis, je danse. Les cafés, les fompés, les souris. Après, tu as chassé. Oh, moi, j'ai toujours dit, monsieur a dit, j'avais deux maisons. C'est un de mes fils qui m'a rencontré à Lyon. J'avais ma maison, ma copine, sa maison, ma fiancée. Elle m'a dit de venir loger ses aides. Et puis après, moi, elle m'a dit de chasser. J'ai dit, mais toi, tu es bête. Tu es bête. La femme. C'est comme ça elle est. Amen. Toi, tu vas aller coucher à sa copine et elle va te laisser chez elle à la maison. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nos mamans, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous donne un bon mari. Amen. Qui vous amène au mariage. Amen. Et qui soit en capacité de vous aimer. Amen. Et toujours nous les hommes, c'est la grâce de Dieu. Si nous les hommes, on est possédés. Nous sommes possédés. Nous sommes très possédés d'ailleurs. C'est vous les femmes, nous mamans qui peuvent nous aider. Les mamans doivent voir les hommes comme leurs bébés. On a bien compris? Amen. On n'a pas encore compris ça. Hein? Quand vous mettez un enfant au monde, vous êtes patiente, n'est-ce pas? Vous êtes patient, vous attendez à beaucoup de choses, vous voulez grandir. Un homme devient un enfant chez une dame. Pourvu que tu crois que c'est ton mari. Si tu crois que c'est ton mari, tu verras de grandes choses. Que Dieu fera avec toi dans ce foyer. Amen. Amen. Sinon, c'est tellement simple. Pourquoi les gens, les femmes n'arrivent pas à avoir un foyer? C'est à cause de leur bouche. C'est le seul problème que les femmes ont. Vous parlez partout où on ne doit pas parler. Dimanche, rendez-vous dimanche pour l'enseignement. Nous, on vous a dit, on est déjà possédé, n'est-ce pas? Parlez doucement, nous. Je vais vous gagner. Sinon, c'est toi seul qui va rester dans la maison. Et puis, il va fuir. Parce que la femme, elle n'a pas pistolet. Hein. Elle n'a pas M24. Mais bouche qu'elle a. Ça peut faire fuir un garçon. Ah, on a vu le grand, le ministre, il a mon cyclo. Il a un kilo, t'as-t-il lavé sa voiture. Avec une petite.
c'est la bouche de la dame de Rivera là qui a perdu le Dieu. Oh, les petites, elles ont fait des pédicures et des manicures. Mais c'est la vérité. Qui n'aime pas qu'on lui dise bébé? Chou! Bébé! Il y a de la sardine! Il y a du brésil! Qui n'aime pas ça? Qui veut entendre? C'est moi, tu attends pour aller à ta. Laisse-moi aller, va te faire ta nourriture, ça, attends là-bas. Donc, quand tu trouves quelque chose qui t'appartient, il faut prendre soin. On a vu même un sorcier qui dit c'est mon amour. Même un sorcier. Il n'aime pas, il aime femme. Un sorcier même là, il aime femme. On a vu ça ici. Amen. Amen. Que Dieu vous délivre ce soir. Amen. Seigneur, merci de restaurer sa vie. Que la puissance de Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. Merci de la restaurer. Je détruis toute forme de célibat et tout ce qui t'empêchait de rentrer dans ton mariage. Dans le nom de Jésus. Merci pour sa vie que je libère encore par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Amen. Allez, vous asseoir. Oui. Non, non, les enfants, les asseoir. Oui. Et tu fais quoi après? Et tu fais quoi après? Elle est là à l'église. Tu vas à l'église souvent? Et comment? Et puis après? Consume tes ailes. Je détruis l'esprit des varans dans ton corps par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu libères son âme et tu libères son esprit dans le nom de Jésus. Garde! Au nom de Jésus-Christ, tu libères son âme. Dans le nom de Jésus. Elle a parlé, mais il y a un esprit en elle. Il faut qu'il sorte de son corps. Parce que les aveux ne délivrent pas une personne de la sorcellerie. Si elle parle, elle dit qu'elle n'est pas délivrée de l'esprit qui est en elle. On va beau faire, elle demeure encore sorcière. C'est une école. Ce qui en elle, c'est l'esprit mauvais qui poussait cette petite fille à être sorcière. Pour nous les chrétiens, quand on se convertit, l'Esprit de Dieu vient prendre possession de notre âme. Et donc l'Esprit de Dieu vient en nous, on a en nous ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Mais en eux, les sorciers, c'est l'Esprit mauvais. Et quand on dit l'Esprit mauvais, vous comprenez bien que c'est l'Esprit de la destruction, de la sorcellerie. Lâche-la. Au nom de Jésus. C'est comme ça que vous êtes couché avec elle dans le lit. Vous dormez, et l'esprit sort. L'esprit va te manger. L'esprit mange tes mollets. L'esprit mange tes cuisses. L'esprit mange tes tripes. Et sauce, voilà là. Et placalé. La puissance de Dieu te délivre. Jésus te délivre. Feu consume tes œuvres dans ce corps. Tu vas la libérer. Si. Si. Allez. Sois-t-elle. Comme. Le feu. Tu vas partir. C'est un ordre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la.
la chambre. Va-t'en. Va! Pas! Voilà. Elle a délivré. Lui on qui part ici avec l'esprit de la sorcellerie. Ma peau, y'a de l'ouani dans la caracolosio. Ma peau, y'a de l'ouani dans la caracolosio. Qu'est-ce que tu as vécu pendant ce moment de délivrance? Tout le monde t'aime ici, même tes parents t'aiment bien. J'ai senti en tes parents, hein? J'ai senti en tes parents l'envie de te voir délivré. Et ça, je l'ai senti dans la manière de s'exprimer. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as ressenti? Vous savez, Jésus est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les sorciers.
Monsieur le professeur dit, tu as une école, les élèves feront comment? Tu vas leur donner le déjeuner matin, le petit déjeuner, ils feront comment? Je vais tout laisser. Hein? Je vais laisser tout. Mais et les élèves? Je vais leur dire, ouais. Ils n'ont qu'à quitter l'école. Mm-hmm. Hein? L'enfant qui est habitué à l'école doit les chasser. Je vais les chasser. Comment l'enfant qui est habitué à l'école? Il est rentré scolaire, tu peux pas. À 5 ans, il t'amène pour l'école. On est tous passés par là. Quand il est rentré scolaire, tu vois le nouveau Qatar. Le collègue, tu pleures, tu vas aller. Ah, tu veux t'habiller. Un enfant qui est initié avec une école agrégée de sorcellerie. Il a commencé à avoir une licence en sorcellerie. Quand il en a pas dit, c'est un pilote. Il a fait décoller les avions. Il va aux États-Unis, il va en France. Il n'a qu'à laisser. Hein? Monsieur? Il n'a qu'à laisser. Ouais. Comment ça? Ça ne me plaît pas. Hein? Ça ne me plaît pas. Ça ne te plaît pas? Mais lui, ça me plaît. Ah, ouais, ça me laisser. Il dit ça ne le plaît pas. Mais l'enfant, il va laisser. Il va laisser comment? Comment il va faire? Il va laisser ça. Tu as fait? Mm-hmm. Dis-moi comment tu as fait. Quand il venait là, quand il venait ici là, j'ai déjà cassé tout. Tu es malade, mais c'est un mot de vie. Tu as cassé quoi de maison? Il va laisser quoi comment? C'est pas bon. Il en a, tout le monde sait. Mm-hmm. Mais lui, bon. Il va quitter l'école comment? Tu connais déjà l'avion. Il décolle, il est parti aux États-Unis, il est parti en France. Il va laisser ça comment? C'est ça la question. Tu l'as habitué à quelque chose, il a essayé, il va laisser comment? Vraiment, c'est pas comment je veux faire. C'est dit, comment je veux faire? C'est dit. T'as dit, hein? Mais c'est la chose la plus difficile, c'est ça, hein? C'est dur. Il n'y a pas école qui... L'enfant, il est plus dans l'école derrière toi. Tu as pas un enfant, comment on décolle la quête privée, sur les rues? Puis tu lui dis, non, papa, l'école est finie. Oh! Frappé de ça, là, tu connais. Enfin, il est parti. 15 minutes. Il est aux États-Unis, il est à New York, il est à Miami, il est à Paris, il est à Bruxelles.
Tu as bien dit aujourd'hui, monsieur, les enfants, ça vous va? Je vous informe que l'école est finie. Ah! Toi, professeur, tu es dans une marmite. Ils vont te manger. Vous avez vu le monsieur même dit? Bon, à tuer. Celui qui a dit. Il dit bon à tuer. Mais avant que tu dis tuer. Tu vas venir un matin pour dire je viens vous voir, vous informer que l'école est terminée. Même temps, il y a sauce graine. Et pour tout banane, pour te manger. C'est divin, hein? Quelqu'un qui décolle l'avion. Et ça, ça va. Un tofla. Il arrive à Paris. Un tofla. Les gens, Air France. Air Bruxelles. Force One. Qu'on avait encore quel Bruxelles. Quittez-vous. Or, un tofla, c'est une seule personne qui est nue, sur un balai, qui voyage. Personne ne veut, peut être dans l'avion. Il est nu, il n'y a pas de bagage. Il n'y a pas de soucoute. Lui seul. Il arrive. Un tofla. Toi, tu veux enseigner quelqu'un comme on pilote un avion. Un tofla. Et toi, tu veux lui dire aujourd'hui, ça va? Je me présente à vous, me connaissez, oui. Je suis votre professeur, oui, on sait. Je vais vous informer que l'école est finie. Hein? Ah, vous avez un coup très terrible. Comment réparer l'avion? C'est le dernier coup pour avoir la licence. La sorcellerie. Oh, le coup est plus dangereux. On vient pour avoir la licence. Toi, tu viens de dire, l'école est finie. Tu viens de dire ça? Les enfants têtus, je connais. Là. Sorcier têtu. Toi, tu viens venir dire aux enfants, hein? L'école est finie. Tu peux dire. Tu peux. Les enfants, tu as dit, bon, à tuer. Bon, à tuer. Tout est tué. Toi, tu es venu le dire matin, école, les gars, c'est bon. Je prends mon classeur, je sors, école est finie. Hein? Tu vas t'expliquer dans une marmite. Ah, vous connaissez très bien la pratique et la théorie. Monsieur, oui. Tu peux dire ça? Ah. Oh, l'élève devient plus puissant que le maître. Quand tu as fabriqué tes mangeurs. Ce qu'on va faire, on va prier Dieu pour te délivrer là. On n'a qu'à venir te manger. Comment tu manges? On va faire les enfants. Ce jour-là, on va faire soit jumelé. Là, c'est rapide. Et placalé. Soit jumelé, placalé, viande. Ça va vite. On n'a qu'à te manger, ouais. On n'a qu'à te délivrer. On délivre. On va voir manger. Ah. Mais là, toi, tu les nourris comment? Ça dépend de maintenant. Hein? Ça dépend de maintenant. Ça dépend de. Maintenant, toi, tu dois enseigner manger viande. Il faut commencer. Tu viens de dire ça, un enfant sorcier. Ça dépend de toi. Tu as bien trouvé la réponse. Ça dépend de moi. Viens dans la mamie. Comme ça dépend de lui. Tu as appelé ton âge? Parce qu'il reste la pratique. Tu as enseigné la théorie. Comment tu? La pratique, c'est toi. Eh, monsieur. Si.
Ils n'ont qu'à faire ça. On va les appeler à tout plat là. On va dire que demain nuit, on va te libérer lundi. Lundi nuit là. Non, on te libère. Et puis arriver à Tofla, les enfants te mangent. Mais toi, tu mangeais les gens. Hein? C'était doux. Ouais. Ah, donc tu ne veux pas qu'on te mange. Donc quand on mange, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Et toi, tu as mangé parents des gens. C'est déjà ici venu sur toi. C'est le prophète. Oui, mais les enfants, tu as mis dedans. Qui les nourrit après? C'est ça notre problème. On est ça, ça va dépendre. Hein? C'est même, je vais faire mes clans. Bon, c'est pas moi. Ah, je ne suis plus dedans. Mais tu as le dit que tu n'es plus dedans. Je vais le dire. Maintenant, si il dit, ils vont te manger. Il ne peut pas. Comment? Parce que si je la. On va aller manger donc. Qui va te délivrer? C'est le problème. Merci. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, ça va me délivrer. Attends. Quand t'as fait de mon amour, là, c'est vrai. C'est mon chéri, ma chérie, mon amour. C'est vrai. Là, tu nous réussis à côté. À côté de l'enfant, pas à côté de toi. Plutôt là. Non, c'est. C'est pas de quoi? C'est pas mon papa. Donc tu peux te marier avec quelqu'un d'autre? Comment c'est pas ton papa? Tu es habitué à lui? Hein? Bien. Hein? Donc va lui dire que je t'aime. Ah! Tu veux que je le délivre? Va lui dire que je t'aime. Parce que la seule raison qui peut m'amener à te délivrer, il faut que je ressens l'amour. Hein? Je n'ai pas dit quelque chose. Regarde le droit dans les yeux. Comme si on était à la mairie. Regarde le sorcier là. Regarde le droit dans les yeux. C'est comme Western. Eh bien. Oh, t'es amoureux. Dis-lui que tu l'aimes, et puis tu dis prophète, comme je l'aime, je veux que tu le délivres. Mais si tu ne peux pas déléguer quelqu'un que tu n'aimes pas, reviens. Si ton papa, si tu aimes quelqu'un, je suis obligé de le délivrer. Mais donc c'est toi qui dois lui dire que tu m'aimes, tu l'aimes. Et puis tu as dit, mon papa, délivre-le. Délivre le sorcier là que j'aime. Hein? Papa, tu n'as pas bien parlé. Tu as parlé comme derrière une maison. C'est derrière maison, pas comme ça. Monsieur, sorcier que tu es. Voici une bonne femme. D'autres femmes, là, elle te laisse ici. Laisse-moi te parler. Non seulement ça, tu es sorcier, et puis tu as une école de ça. Tu apprends à rouler, à être trop fort, à piloter, à être trop flat. Aller aux États-Unis, à Miami, elle est partout. Et tu manges sans graines. Elle cuisse, cœur, cerveau. Et tu nourris pas la femme. Hein? Quoi? Il ne nourrit pas. Hein? Prends le micro. Il ne te nourrit pas. Il ne nourrit pas. Prends le micro. Il ne nourrit pas. Je suis ton papa, il est tout réglé. Il ne te nourrit pas. Non, il ne nourrit pas. Tu fais comment pour manger, tu te nourris grosse comme ça. Je fais platali, je vends platali. Eh, Blo. Et puis lui, il fait comment? Il va au centre. Mais il ne te nourrit pas.
Bon, on va régler tout ça. Toi, tu as un bon cœur. T'as envie? On va le délivrer. T'as envie? On va le délivrer. Il est méchant, mais toi, tu es bon. Comme il est sorcier, on va le délivrer. Dieu va le transformer. T'as envie? On lui dit que tu l'aimes. Vis-à-vis, maintenant. Non, allez, il dit son nom et puis dit chérie, tant je t'aime. En plus, c'est la fête des mères. C'est la fête des mères. C'est le nom. Nous, on connaît ce nom ici. Théoria. Je t'aime, elle dit qu'elle t'aime. Et toi, tu dis quoi? Elle me plaît trop, je dis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est lui là-bas. Hey. Elle me plaît trop. Hey. C'est mon amour même. Voilà. Dieu est bon. Merci à ta femme parce qu'elle t'a pardonné.
une femme, Dieu est bon. Non, je dis merci. Merci. Toi, quel problème, toi? Là, qui est ta femme que Dieu, merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Aïe! Jésus, Dieu. Pas que à l'école là, non. Non, Dieu. Direct. On va dire la chanter. On va dire la chanter. Ça. Bon. Pisa, Bario. Bario, Nino, yeah. Je dis, Bario, Nino, yeah.
De la Côte d'Ivoire, nous ne devons pas la détruire. Amen. Amen. Nous devons veiller là-dessus, prier pour ne pas la Côte d'Ivoire sombre. Je vous parle pas en tant qu'un politicien, je vous parle en tant que serviteur de l'Éternel. La Côte d'Ivoire, elle est prêchée pour chacun d'entre nous. Nous devons prier l'Éternel, notre Dieu, pour ne pas qu'elle sombre. Au-delà de nos ambitions politiques, nous avons la Côte d'Ivoire, notre patrie. C'est pour toi. Et c'est pour moi. C'est celui qui n'est pas de la Côte d'Ivoire qui aimerait voir la Côte d'Ivoire brûler. Pour celui qui a la Côte d'Ivoire comme patrie, même s'il est à l'étranger, la Côte d'Ivoire est sa patrie. Il n'aimerait jamais voir que ça sombre. Parce que même si tu es heureux à l'étranger, tu aimerais voir tes parents heureux sur la Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'ils ont devant le Seigneur, prier pour la paix ici en Côte d'Ivoire.
Nous avons besoin d'une paix et de la paix qui vient de Dieu. Amen. Amen. Surtout pour ceux qui ont traversé, qui ont connu l'autre but, ceux de l'Ouest, que Dieu vous console. C'est Dieu seul qui peut vous consoler. Voilà, la vengeance appartient à Dieu. Amen. Uniquement qu'à Dieu. Si on veut se venger, Dieu ne se vengera plus à notre place. Mais le pardon, vous devez primer le pardon. C'est pour cela qu'à partir du mois d'août, nous allons commencer nos caravanes de délivrance et de réconciliation. Nous allons procéder à ça aussi. Parce que celui qui réconcilie l'homme avec Dieu, c'est Dieu. Et en même temps, le cœur pour amener les gens à aimer leur prochain. Amen. Amen. Si ce n'est pas Dieu, la femme est rentrée, elle est partie. C'est Dieu qui crée ça. Amen. Amen. C'est Dieu qui crée ça. Vous êtes là les guéris, vous êtes combien ici? S'il est mania, bien soir. S'il est mania, bien soir. S'il est mania, bien soir. Quoi? S'il est mania, bien soir. S'il est mania, bien soir. Sois au devant de ma vie. Sois au devant de ma vie, oh. Sois au devant de ma vie, oh. Sois au devant de ma vie. Si les magnats, bien soir. 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 Dis à quelqu'un, le Seigneur Dieu. Amen. Amen. D'où dire, oui, le. Ah oui, le Zidjaka. Ah oui, le. Ah oui, le Zidjaka. Ah oui, le. Ah oui, le Zidjaka. Ah oui, le. Ah oui, le Zidjaka. Kao, kao. Maman, Jésus, dao. Kao, kao. Maman, Jésus, dao. Si on s'enlève, maman Jésus d'Aou. Si on s'enlève, maman Jésus d'Aou. Jésus là, maman, oui. Jésus là. Thank you.
Qu'est-ce que tu as fait à ta famille? Je donne la seule possibilité de parler. Les gens parlaient, ils ont été délivrés. J'ai bloqué tout sur ma famille. J'ai bloqué mariage, voyage, argent, bénédiction. Tu as fait quoi? La puissance de Jésus. Je trace ton pouvoir dans son corps. Je détruis le pouvoir du diable. Tu lâches son âme ou tu lâches son esprit. La puissance de Dieu écrase ton pouvoir dans son corps. Je détruis tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu te délivre ce soir. Tu lâches son âme et tu lâches son esprit. Fais la puissance de Dieu te libère ce soir. Chasse l'esprit de la sorcellerie et ton cœur et ton âme et ton cœur et ton âme. Ça va? Ça va partir? C'est vos cas. Mais sinon, demain, elle le regarde. L'amour du soir, c'est terrible. Salut-moi. Dimanche, je te donne un bail. J'ai une bonne femme. Et les femmes, j'y connais. Ferme téléphone. Orange, bonjour. Votre correspondante a fui. Elle ne va plus être jointe. C'est pas la peine d'insister. C'est fini. Même dans la délivrance, elle aime son mari. Chacun dit manger des choubouillas spirituels. Il fait son gimlo aussi. Et son grain. Son grain, et puis il mélange un peu de gimlo. Et banane nue. Et puis il y a un corps de ça. Jésus, je te délivre. Voilà. On attend d'enlever la sorcellerie dans son corps. Voilà. Laissez-nous délivrer les sorciers et la sorcellerie. Sors de ce corps. Voilà, libère-le. Libère-le. Voilà, libère-le. J'ai détruit tous tes hélicos, tous tes avions spirituels, les aéroports, Air-Tofra est brisé. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de décollage. Au nom de Jésus. Le feu sur tous les avions. Quatre. On casse la classe. On chasse tous les élèves de la classe. On désactive les dents des élèves. Les nouveaux sorciers. On arrache les dents qui mangent l'homme. Au nom de Jésus. Il ne faut plus m'en manger. Fais sur toi. Garde. Sors. Allez. Le nom de Jésus. La puissance de Jésus-Christ te délivre. Le nom de Jésus est au-dessus de ton nom. En ce nom, tout genou fléchit. Même la sorcellerie fléchit genou. Et bon, ce puissant nom de Jésus-Christ. Allez. Le fais sur toi. Sois délivré. C'est la partie la plus importante. L'esprit doit sortir de son corps. L'esprit doit sortir de son corps. Allez. Voilà, sors. Allez, va. Allez. Sors.
Feu! Feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Libère-le! Libère! Au nom de Jésus! Tu pars! Tu pars! Tu pars! Maintenant! Maintenant! Au nom de Jésus! Il est délivré. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Suivez-le. Dis quelque chose à ce peuple. Désormais, tu donnes de quel camp? Tu es à l'école, tu enseignes toujours, ou bien tu n'as plus Dieu? Je ne veux plus ça. Tu es où maintenant? Ici, maintenant, dans le mains de Dieu. Ah. Il y a escargot, au marché. Il y a pintade, il y a cabri, il y a poulet de chair, et nos beaux poulets biscuits qu'on attrape tous les jours dans janvier pour les mettre en sauce. Il y a porc aussi, pour ceux qui mangent les porcs. Il y a bœuf. Monsieur. Oui. Naïli Kéo, Naïli O, Naïli Kéo. Celui qui met sa main à la charrue et qui régale à l'arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Naïlio, Naïlio. Maintenant tu seras bien. Tu seras. Madame, merci beaucoup. Comme Dieu. Comment dire merci en gros? Il bo. Pour ton cœur de mère. Ici. Dépendait de toi. Tu as accepté de pardonner ce monsieur aujourd'hui qui a changé. Monsieur, moi j'ai promis lui faire un gros cadeau. Et ça, c'est son nom de parole. Femme comme ça, on ne trouve pas ça. C'est du Seigneur. Ce que tu fais dans le champ de cacao là, on connaît ça. Tu as fini ça. Tu tournes en cacao, tu fais là-bas, on connaît. Faut pas te montrer les secrets ici. Faut laisser ça pour dire, faut pas dire c'est la seule, faut laisser ça. Elle est gentille. Si tu veux laisser, si tu veux mettre ton secret, je fais. Mais, tu es une bonne femme. Monsieur, regarde-moi ici.
Il veut parler des trucs. Oh, il tourne derrière, il fait. Il fait, il fait. Il m'appelle le cœur de la femme. La femme souffre. Elle souffre. Ça, je connais. Malgré ça, elle accepte. Ton argent, petit argent là, tu mets dans les femmes. Monsieur femme. Je connais. Je connais. Je suis prophète, je connais. Mais merci beaucoup. Merci de m'avoir accepté. Monsieur. Dieu te pardonne. Dieu t'a pardonné. La femme t'a pardonné. Nous t'avons tous pardonné. D'ailleurs, tout dépendra de Dieu. Mais, il faut plus recommencer. La femme qui est là, il faut la respecter. Zanté. Les Zanté. Les Zanté. Les Zanté. Les Zanté. Femme. J'ai une grande femme. Moi, je suis un homme spirituel. Je connais. J'ai vu. Je connais. Si j'étais. Ouh! Oui, maman, elle est partie. Elle est partie. Celle-même détruit, elle a commencé à gâter ton nom. Vous avez vu ici? C'est pour le meilleur? Oui. Et pour le? Oui. Très bien. Tu as compris? La femme là, elle est vraiment à vous. Son kit ici, pour ne pas faire pleurer son cœur. Pour ne pas faire saigner son cœur. Sinon Dieu va te frapper. Il faut l'aimer encore et encore, encore. Il faut t'occuper d'elle. Pardon. Si elle est malade, envoie-la à l'hôpital. Il ne faut pas prendre l'argent là. Aller derrière pour chercher ce que tu fais. Arrêtez. On comprend. Plus c'est un voyou. Je pense qu'il va changer. Ça va changer. C'est un bourreau. Va changer. C'est un bourreau, non? Oui, c'est bourreau. Il faut jeter les cuillères. Hein? Non, je vais jeter tout. Hein? Je vais jeter. Tu vas jeter les cuillères. Oui. Tu vas jeter. Maintenant, on va prier. Dieu, tu réconcilies. Non, mets-toi à côté ici. Aïe. Déjà, tu es prêt. Déjà, il est trop chaud. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de tendre ta main et de te manifester. Je détruis à jamais le pouvoir et le règne de la sorcellerie au sein de ce couple dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi qui appartiens à la réconciliation. C'est toi qui peux réconcilier les cœurs. Réconcilie encore comme tu l'as fait, c'est tes cœurs, et sois le Seigneur de ce couple, et bénis-les en l'accordant la bénédiction. La grâce et la protection et la bénédiction sur eux, sur leur activité et leur famille, leurs enfants. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Dis à madame, je t'aime. Non, non, pas du peuple. Madame, tu me plais la seconde drague. Madame, tu me plais. Madame, il t'aime. Il ne s'est pas dit ça. Dis en gros. Il sent un papa. Ah ouais. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. J'ai envie d'écrire quelque chose. Tu n'as rien à dire? Quoi? Concernant la société. Quoi tu veux dire? De quoi? Que ça fait quoi? Tu veux tuer les gens. Hein? Ça veut tuer les gens. Non, toi-même, tu as fait quoi? Si tu n'as rien à dire, tu donnes le micro à l'autre. J'ai quoi à dire? Dis. Tu as tué les gens. Mets-toi là. Pardon. J'ai tué les gens. Tu nous connais, ça ne s'allume pas, j'ai tué les gens. J'ai tué les gens. On veut savoir qui tu as fait, t'as tué. J'ai tué deux bébés de mes enfants. Hein? De mes garçons. J'ai tué deux bébés de mes garçons. Puis j'ai lancé la folie à ma deuxième fille. Elle est décédée. Et puis la dernière qui est malade, j'ai lancé le sort.
et la sœur Sérénie aussi. Donc c'est elle qui est malade là-bas. C'est toi qui as fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Comment tu fais? Oh, s'il vous plaît. Donc j'ai eu raison de dire que tu es sorti la dernière fois. J'ai eu raison de te dire ça. Vous avez raison. Je ne t'ai pas accusé. Je suis fâché contre elle. Donc au fond de mon cœur, là, c'est ça qui fait. Non, non, je n'ai pas la raison. Ça nous intéresse pas. La raison qui a fait que tu l'as lancé un sort ne nous intéresse pas. D'accord. Tu pouvais faire autre chose que lancer le sort. Quand on est fâché après un enfant, on ne le détruit pas. On l'appelle, on lui dit. Voici ce qui ne m'a pas plu. C'est tout. On lance pas un sort. Et le bébé, tu étais fâché contre le bébé qui t'a tué aussi. Le bébé là, quand on l'a couché, c'est moi qui l'ai étouffé. Tu l'as étouffé, comment? À le couchant. À le couchant. Il faut expliquer. À le couchant, quand la mère lui met au monde là, c'est moi qui l'a étouffé. Tu l'as étouffé et puis l'a fait mort. Et la monnaie, combien de... Il a monné. C'est toi qui l'as tué. Sa fille est derrière là-bas, non? Hein? Elle est dans les champs là-bas. C'est toi qui l'as fait ça? Oui. Okay. Toi, tu fais ça à ta fille et puis tu viens ici et tu ne parles pas. Vous comprenez? Elle est à la base du malheur de sa fille. Elle est là, elle est assise, elle dirait. Pourquoi? La première est décédée. Non. Réponds à ma question. Laisse qui entend. Tu es venu ici pendant que ta fille était malade, n'est-ce pas? Or, c'est toi qui es la base du problème de la fille, n'est-ce pas? Et tu n'oses même pas me dire. Tu n'es pas venu te dire, en réalité, c'est moi qui fais ça. Tu es assise, n'est-ce pas? Je te dis, tu es sorcière. Parce que j'ai vu. Moi, je ressens ça. C'est un don. Tu sais, faire des sorcelleries là, c'est pas un travail. Hein? C'est si les gens allaient attraper son juste un travail. Mais je l'ai fait avec passion parce que j'ai ce don-là moi. Et ça, quand il est lui, il est sorcier, il est sorcier, ça se discute pas. Moi, je t'ai laissé, je t'ai pas forcé. Tu es libre de parler comme de ne pas parler. Mais heureusement qu'aujourd'hui, tu as parlé. Mais je t'ai dit qu'il n'a encore rien dit. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est moi qui lui ai rendu folle. Comment tu as rendu folle à toi? Viens ici. Qui boit ton sang? Qui boit ton sang? Hein? Qui boit ton sang? Qui boit ton sang? Qui boit ton sang? Ton fils, comment? Comment? Tu sais que si je laisse le micro ici, et te force pas, la dernière fois il est parti, tu veux qu'on te délivre? Tu es sorcière, tu as gâté toute la famille. C'est tout ça normal, toi? Je ne suis pas normal. Tu vas à l'église? Je vais à l'église. Oh. À la mission. Quelle mission? Bénissons les Seigneurs, notre Dieu. Prenez le corps du Christ. Amen. I'm sorry. C'est des anglophones. Prenez le corps du Christ. Il y a deux qui n'envoient pas à bouche. Hein. Il y a pas autre chose. Mais... Tu prends communion. Prenez le corps du Christ.
Peace. Ça ne fait quoi dépend le temps du Christ. Comment quand tu vois, tu manges la chair, mais tu penses que le communion, c'est le corps. Tu veux manger la chair. Donc toi, tu converses chaque jour bien. Je converse. Tu prends. Ah, donc tu viens de manger. Je tue, Seigneur. J'ai mangé. J'ai mangé les sorties. J'ai mangé les naïfs. J'ai mangé les côtes. J'ai mangé les poumons. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Mais le corps du Christ. Amen. C'est terrible, hein? Tu fais ça? Écoutez, vous commencez, vous pouvez la scène un peu. C'est tu es bien, bien. Monsieur mon père, le père, je tue. Confesse, ma fille, parle. Je tue, ça dit. Hein, voilà, ma père parle. La deuxième. Tu as tué? Tu as tué? Tu as gâté quoi dans la famille? Dans la famille, je l'ai gâté. Non. C'est moi. Tu es sorti à tuer la gâté. La famille. Bon, qui dit bon? Oui. Petit. On va vous recevoir un défaut, ne t'inquiète pas. Mais je suis apprêté, c'est pour ça que je viens d'apprendre. Je vous recevoir. Maintenant, elle m'a donné la viande, j'ai mangé. Mais après, elle m'a fait de. Elle a fait de moi une tueuse. En cage, c'est-à-dire que. Tu es dans, cage. Tu. Dans le monde spirituel là-bas. Oui. C'est-à-dire que je suis commandée à tuer les gens. Tuer les gens là-bas. Tu en as tué combien? J'ai tué beaucoup. Non, c'est ça aussi, tu dois savoir. Parce que, ça dit que quand ma mère m'a initié. Tu ne peux pas m'envoyer sur le terrain où tu es en train de le voir venir. Tu es en train de venir sur un terrain, je ne vais pas la voir, pardon. Non. Dans ce corps. Ah ouais, la délivrance. Ah ouais. Quoi dans la famille? Qui, comment ça s'appelle? Hein? Boga Yao Nore. Boga Yao Nore, tu as tué comment? On va passer à Philippe. Télé ou debout, on va terminer. Télé ou debout. Télé ou debout. Jésus devenu chat. Hein? Jésus devenu chat. Ça veut dire quoi devenir chat? Tu jouais mon nom. Devenir chat, ça veut dire quoi? Tu te transformes en chat ou devenir chat? Tu as gâté le courrier, puis t'as fait quoi? Et là où debout? Tenez pas la courrier, je vais recevoir les gens.